C'est encore une nouvelle façon de sortir des routines pour tenter de trouver un emploi. Une association à Marseille a imaginé d'afficher les CV sur les murs, le pédigré comme expression de street art. Thierry Bézère et Gaël Cara l'ont testé. Un visage candidat à un emploi, un CV collé dans les rues de Marseille. CV Street accompagne et met en relation les demandeurs d'emploi entre eux et avec des salariés, chefs d'entreprise qui bénévolement les accompagnent dans leur quête. Sa degré de motivation par rapport à sa recherche, où en est-il par rapport à sa recherche? On constate au jour d'aujourd'hui dans une ville où il y a quand même plus ou moins 120 000 personnes en situation de recherche d'emploi, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas exploitées. Notamment ce qui est l'entraide, le fait de dire « Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait recruter Denis ?» Ça paraît simple à dire, mais c'est juste une manière de vivre ensemble et de pouvoir échanger avec les autres citoyens. Emmanuel a pris la pause et affiché son visage. Une photo à Bac plus 5 pour retrouver la confiance et enfin créer son entreprise. Si on arrive à capter l'intérêt, à démontrer qu'on déjà sa motivation par un regard, par une phrase d'accroche, et puis ne serait-ce que s'afficher, c'est déjà une démonstration en soi d'envie. Et donc je trouvais que c'était une belle idée. Vous pouvez l'afficher là, juste devant. Ouais, juste devant vous. Ouais. Désormais CV streeteuse, Emmanuelle colle pour les autres et elle a du pain sur la planche. En 2014, 300 personnes seront flashées par CV Street. Une conduite accompagnée pour gagner le permis de travailler. Et vous pouvez retrouver également un documentaire sur cette pratique, un documentaire mis en ligne par l'association CV Street.